Ça fait longtemps, ça fait extrêmement longtemps les gars, et je suis extrêmement heureux de revenir sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu la rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis 2022, et ça va un peu vous aiguiller sur la manière de voir les choses, comment j'en suis arrivé en fait à arrêter les vidéos YouTube à l'époque où j'ai fait un feat avec Thibaut, donc c'était un peu mon prime on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a eu énormément de choses qui ont changé dans ma vie depuis. Une grosse remise en question, une grosse prise de maturité, surtout au niveau de mon contenu, et je pense que ça s'est ressenti ces dernières années, enfin cette dernière année, surtout 2023, sur Insta de toute façon. Donc on va revenir fin 2022. À ce moment là je gagne ma compétition de bodybuilding, tout se passe bien honnêtement, c'était assez ouf, beaucoup de soutien de votre part, beaucoup de kiff de ma part d'avoir fait ma première compétition et de l'avoir en plus remportée. Vous savez à quel point je suis un compétiteur, donc pour moi c'est très important de gagner, hein, tout simplement, et je pense que pas mal d'entre vous aussi. Ensuite vient un feat de rêve, faire une vidéo avec Thibaut InShape, voilà, assez ouf aussi, honnêtement, un rêve de gosse que je réalise à ce moment-là. Et à ce moment-là, beaucoup de remises en question, beaucoup de critiques qui viennent sur les réseaux, honnêtement, beaucoup de vidéos qui m'ont pas mal impacté, honnêtement. Je vais pas mentir, je vais pas faire le mec, ça m'a pas touché, ça m'a un peu touché quand même. faut pas se leurrer. Mais d'un autre côté, voilà, j'en veux à personne et je sais que j'ai fait mon chemin et que j'ai appris de mes erreurs. Et je pense que ça s'est beaucoup ressenti aussi par la suite. Donc à ce moment-là, j'ai décidé un peu de mettre un frein, de travailler plus sur moi-même et de retrouver un peu l'essence, de retrouver du plaisir dans ce que je fais. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu une période creuse. Et qu'après, il y a eu le début de l'art powerlifting que beaucoup ont suivi et beaucoup attendaient des choses de moi. Et je sais que ça n'a pas duré longtemps, que beaucoup de gens sont peut-être restés bloqués là-dessus aussi. Et il faut que je vous explique maintenant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai dû arrêter le powerlifting, pourquoi d'un coup je me suis mis à refaire du bodybuilding, parce que il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont vu, d'ailleurs avec l'épisode 0, mais... ma compétition de bodybuilding en fin d'année 2023. Sur le powerlifting, franchement, j'ai kiffé. Honnêtement, la pratique, ça m'a permis de sortir d'une certaine routine de l'entraînement. Et ça m'a permis de me dépasser et d'avoir des nouveaux objectifs. Malheureusement, ça a été ultra compliqué à tenir de par les blessures que j'ai eues à répétition. Au niveau du dos, au niveau du psoas, au niveau du bassin. Enfin, toute cette zone-là, en fait, du corps qui a pas du tout assuré sur les squats et le soulevé de terre principalement. Au niveau du bench, ça allait, beaucoup de douleurs aux épaules et aux coudes, mais c'était pas ultra dérangeant, honnêtement, c'était surtout ces mouvements-là qui m'ont énormément traumatisé. Ça a été vraiment un frein à ma pratique, et en plus de ça, c'est rajouté la quête de sens et la quête de me dire qu'est-ce que je kiffais faire quand j'ai commencé la musculation. Et en fait, c'était le côté esthétique, c'était le côté bâtir son corps, et le fait de ne pas le faire justement à ce moment-là, de me focus uniquement sur des performances, et ben là, je me suis dit, wow, j'ai re-kiffé, je me suis dit, ok, c'est le body que t'aimes, c'est construire ton corps, c'est être fort, oui, mais être fort sur plusieurs reps, bâtir un corps, c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau en fait, et c'est un art à part entière. Et du coup, c'est à ce moment-là que la passion du body est revenue, et c'est pour ça qu'il y a eu une transition assez lente entre le power et le body au courant de l'été. Au moment où j'ai rencontré Marie, en fait, on avait un peu le même style d'entraînement en juin. Un côté power sur le début de la séance, et après plus un côté body hypertrophie sur le reste de la séance. Donc on était pas mal coordonnés à ce moment-là. L'été est arrivé, il y a eu la petite sèche de l'été, estivale, comme vous avez l'habitude de faire peut-être. Moi, j'ai l'habitude de la faire en général. Et là, c'est vraiment le body est revenu, quoi. Je me suis dit, ok, le physique est assez ouf. Je vous mettrai quelques illustrations. C'était le kiff de retrouver un physique comme ça. Le kiff de me re-entraîner en bodybuilding, de repump, de refaire de l'hypertrophie. Et le kiff de, pourquoi pas, remonter sur scène à ce moment-là, je me suis posé la question. Et c'est pour ça qu'en septembre, il y a eu le début de cette prep de la compétition qui a eu lieu fin octobre. Donc une prep très rapide, parce que je pensais que j'étais déjà assez sec et que j'avais le potentiel de faire cette compétition. Comme vous l'avez vu sur scène, il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites de mon côté, et je les assume totalement, ce qui explique le résultat. Et il y a aussi un contexte et... des erreurs qui ne dépendaient pas de moi, honnêtement, je pense. Et beaucoup de choses que j'ai pas trop appréciées lors de cette compétition et l'organisation générale de cette fédération. Et je vais pas forcément revenir là-dessus, je vais plutôt voir vers l'avenir. Très rapidement après cette compétition-là, je me suis remis au charbon, je me suis remis à l'entraînement. J'ai recommencé à m'entraîner très rapidement, repris du poids assez rapidement aussi, pour pouvoir justement gagner en performance à l'entraînement et reconstruire un corps
et bâtir sur mes points faibles qui ont été extrêmement visibles lors de cette sèche, évidemment. Plus vous séchez, les gars, plus vous allez vous rendre compte de vos points faibles. Et moi, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des juges qui m'ont clairement orienté vers cette fédération-là qui est la NPC. Et ça va être le nouvel objectif. Ça va être cette année, du coup, où on va aller chercher le NPC régional naturel en juin pour pouvoir se qualifier au pro qualifier naturel en novembre. Donc ça, c'est ouf. Honnêtement, je ne pensais pas avoir l'opportunité dans ma vie de un jour, pourquoi pas, être IFBB pro naturel. C'est vraiment un rêve que j'ai depuis que j'ai 17-18 ans, honnêtement. Depuis que j'ai découvert les compétitions de bodybuilding, depuis que j'ai découvert des athlètes comme Chris Bumstead, par exemple, à l'époque, c'est quelque chose de ouf, et c'est une opportunité pour moi incroyable. Et cette année, ça va être l'opportunité aussi pour vous de voir une prep sur le long terme. On va faire un épisode par mois jusqu'à novembre, donc jusqu'à décembre quasiment, parce que du coup, la compétition sera fin novembre. Ça va être une opportunité pour vous aussi de voir comment je m'entraîne, comment je mange, comment on évolue en bodybuilding après autant d'années de pratique, parce que ça fait quasiment 10 ans que je m'entraîne. Je sais qu'au bout de 3-4 ans de pratique, on a tendance à vite stagner en bodybuilding ou en musculation en étant naturel. Et cette année, je vais essayer de vous montrer qu'on peut quand même progresser après beaucoup de pratiques et vous montrer un peu le quotidien. C'est comme je vous l'ai dit, un rêve pour moi et j'espère qu'on va le réaliser, qu'on va le réaliser ensemble et que je vais vous montrer un peu de quoi je suis capable lors de ces prochains épisodes. Et voilà les gars, j'espère que vous allez kiffer. Bon voilà les gars, comme évidemment toute transformation physique, toute préparation, on va commencer par vous montrer mon physique. Là on est mi-janvier à peu près, donc on va se peser et on va vous montrer le physique en début de prep, en début de docu, en début de tout cette aventure là. Donc c'est parti, vous allez voir la différence de poids par rapport à l'épisode 1 que j'étais du coup sur scène, enfin avant de ma pesée. Vous allez voir, c'est assez incroyable la différence de poids. Donc on est parti sur le physique, let's go, on débâche, on va montrer ça. Bon vous pouvez voir un peu de fat, hein, évidemment, c'est normal. Bon, c'est pas trop dégueu, honnêtement. Je trouve que je suis pas non plus si gras que ça. J'ai eu l'habitude d'être des fois plus gras que ça en prise de masse. Dites-moi les points forts, les points faibles. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Dites-moi visuellement combien je fais de poids dans les commentaires. Voilà. Avant d'avoir le résultat. Et comme ça, on va voir. Parce que j'ai tendance à être lourd. Du coup, souvent, les gens, ils me donnent plus léger que ce que je suis vraiment. Donc, on va voir. Je suis plus léger que ce que je pensais. Ouais, pareil. Parce que quand je me suis pesé, ça, ouais, j'étais à 104. Hein. C'est ça. Bon, je pense que les balances, ça joue aussi beaucoup. Au moins, on n'est pas trop gros. Je sais pas si visuellement ça se voit. On va taper un peu une routine vite fait de posing. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cet épisode numéro 1, j'espère que vous suivrez les autres. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà le cas, et on se retrouve sur le prochain épisode, l'épisode 2, en février. C'est parti les gars, à la prochaine.